Et 73-51, le nord de France. De Dundee 33 sur le sud-ouest de France. Ah, génial. Les 73-51, Drakkar, très content de t'avoir en fréquence. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas entendu. Ou alors si, mais par vidéo, par les vidéos de Nounours. C'est excellent, c'est excellent. Ouais, et puis en plus de ça, il y a de plus en plus de monde sur le nord de France. C'est génial, ça. Il y a de plus en plus de monde. Je crois qu'il est en train de répondre à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, si la propagande est là. Ah, il est 13h30. Voilà pour la vidéo. Ah, et ça passe plein fou là. Vu le QTH, ouais, c'est le nord aussi. Attention le nounours, attention le nounours pour Dundee 33 qui t'appelle. Michel, du nord de France, les 73-51 à toi, de la part de Dundee 33, sur le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Ok, merci, sur le dernier passage, là, ça a été du 57-58, là, de mon côté, hein. Merci beaucoup, tout ça retourné également. Ah là, la minute même, je suis au QRA, je suis en fixe. Oui, oui, là depuis, alors en BLU, ça fait déjà là un petit moment que c'est monté, et là, sur le 19, ça fait quoi? Ça fait juste, allez, 5-7 minutes, là, que c'est arrivé, là, de mon côté, en tout cas. Ah, je t'ai perdu. Les 73-51 à la station que j'ai entendu appeler de la part de Dundee 33 au QRA, là, du côté de Saint-Émilion, sud-ouest France. Je suis même pas sûr qu'il arrivera à sortir son appel dans la vidéo. Oui, le département 62, les 73-51 retournés, voilà, du sud-ouest France, au QRA, du côté de Saint-Émilion. Alors là, je suis sans le filtre DSP.
C'est presque mieux, quoi. Bon. Il y a plus de bruit qui passe derrière. Attention, la fréquence, attention, le canal 19, canal 19, entendez-vous, modulé Drakkar au nord de France, en route actuellement dans le département 62, je me signale et je module. Ah, tu m'étonnes, Drakkar, que tu passes plein pot. Là, il n'y a pas de souci, t'es à la hauteur de ta réputation, Drakkar. Il n'y a pas de souci, au contraire, hein, ça passe plein pot. Hein. Tous à retourner, Drakkar. Merci beaucoup à toi. Ça fait super. J'arrive même plus à dire mes mots, quoi. C'est super génial de t'entendre comme ça continuellement sur le 19. C'est vraiment, vraiment super. Merci. Ici, c'est normal. C'est tout à fait normal. La passion, c'est la passion. Donc, voilà. On profite de la nature, là, tout au moins de ce qu'elle nous donne là, pour communiquer avec les amis du Sud. Merci beaucoup, et surtout n'arrête jamais, 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 c'est pas compliqué, on t'interdit d'arrêter carrément. Merci à toi, c'est génial, je vais me balader un petit peu, je reviens. Merci pour les gens du monde, bon après-midi, à bientôt. Alors, non, c'est là. Là, c'est une fréquence DX qui était utilisée autrefois, dont certaines stations essaient de la remettre en route. Ah ben c'est bon. Le Canason 11 FM qui était vachement utilisé début des années 80 avec la première homologation. C'était le canal d'appel à l'époque, le canal 11. Putain, il passe bien. Bon, le canal 19, canal de la route. Le canal d'appel, autrefois, qui était constamment utilisé par les stations fixes. Alors, je fais cette petite présentation des différents canaux d'appel. Car il y a pas mal de nouvelles stations en ce moment. Ah, donc là, le 38 en LSB, qui est une fréquence d'appel DX. Alors, États-Unis, Canada, Québec, Australie et d'autres pays. Pas mal de Français viennent aussi dessus. Après, on sort des 40 canaux homologués. Le canal 4 supérieur. Là, on est en USB. Qui reste quand même utilisé, même si à la seconde même, on n'entend personne. Le 12 supérieur. Alors, à l'origine, c'est pas un canal, une fréquence d'appel. C'est la fréquence monitor des Alpha Tango. Ah, et puis là, c'est la foire. J'ai vite changé.
Donc oui, les 12 sup, qui est, le 27-555, qui est devenu là, une fréquence d'appel, est devenu une fréquence d'appel victime de son succès, tout simplement. Hein. Car à l'origine, c'est la fréquence moniteur des Alpha Tango. Et à propos de fréquence moniteur, ici, vous avez la fréquence moniteur des kilomètres dans tous les modes. Alors quand on dit fréquence moniteur, ça ne veut pas dire que officiellement elle appartient à tel ou tel groupe ou tel club. Et c'est plutôt les. Faut plutôt traduire ça par la fréquence où se retrouve tel ou tel club ou tel groupe ou association. Enfin bon, peu importe. Donc pour les kilomètres, 27-325, c'est-à-dire canal 32, tout mode. Le mobile, j'ai pas réussi à le sortir suffisamment pour savoir où il est. En BLU, il ne faut pas hésiter à utiliser le clarifieur. D'ailleurs, oui, je suis en mode clarifieur là. C'est la cour maternelle là-haut, comme ça. Vous pouvez presque dire que c'est plus sérieux de ce côté-ci. Station de fréquence, le département 62, le
entendu là, que tu étais rentré en communication avec Dundee 33 là. Tu ne pouvais pas prendre le mic là. Ben, je suis là, Dracar. J'étais me promener sous les ondes. Je suis de retour. Les 73-51, le département 62 du département 33 de la part de Dundee 33. Oh, génial! Affirmatif, Nounours, ça tombe bien, je suis en train de faire une vidéo là en ce moment. Putain, très content de t'avoir aussi, Nounours. J'ai eu Dracar tout à l'heure, maintenant c'est ton tour. C'est génial. Et la propague, elle est de partout où je suis allé là à l'instant, là en Bélude, ça, un peu plus loin, plus haut. Je suis redescendu, ça, je suis allé un petit peu dans tous les modes. La propague est de partout, dans tous les modes. Et en plus, alors pour commencer la vidéo, notre ami Dracar, toi là maintenant, suivant, alors là c'est la double cerise sur le gâteau sur le gâteau de la Sibylle. Hachi, merci, très content à toi, retour. Oh la vache. C'est dans la boîte, j'espère pouvoir te mettre ça rapidement là, peut-être ce soir. Ouais, j'espère que ça va pas trop tourner trop vite là. De mon côté ici, le temps est terrible, terrible là. Voilà, j'espère que tu feras de bon contact. Ici, Mac 02, les ordres de France par rapport à Michel qui est en Ok, Dracar, il n'y a pas de problème. Ben, j'espère faire au mieux aussi là, pour mettre la vidéo en ligne. Petite parenthèse, les 73-51 Michel de Dundee 33. Ouais, Dracar, moi aussi c'est pareil. Hein, normalement, ben là c'est pas compliqué. Normalement, là je devrais être sorti. Là. Hachi. Et quand j'ai entendu la propague, j'ai dit non, non, là je peux pas. Faut que j'attrape le micro. Hachi. Donc là, vous êtes, toi et Dracar, vous êtes tous les deux là aujourd'hui sur le même département. Ou c'est la croisure qui fera le reste. Ah, l'ami Dracar, là, il est apparemment, là, je pense, derrière, là, je ferai le retour après, là, c'est là. Normalement, il est, là, sur le département 62, actuellement, là, sur à peu près à 20 km au-dessus de l'île, dans le département 59, oh la vache! 9 plus 10, 9 plus 20 au QR1 sur Sainte-Colombe à côté de Saint-Émilion. Santiago 9, là, de mon côté, là, la seconde même de Dracar. Alors là, tous les deux, en fréquence, alors là, c'est bon, c'est du pain béni. Nickel, nickel.
Et c'est quoi ce pipe de pucelle que tu as au fond quand tu relâches ton micro? Tout à l'heure, j'ai remarqué ça aussi. C'est ou plutôt de pucelle qu'on est en train d'étrangler. Tu verras ça dans la vidéo, Nounours. Quand tu relâches le micro, on dirait un cri de pucelle qu'on est en train d'étrangler à chaque fois que tu relâches. Achi. C'est la pauvre vieille chouette qui passait par là, au fond du jardin. Hein. J'ai réussi à l'attraper, à la sauter et à la sauter. De temps en temps, il y a quelques plumes qui dépassent. Là, bon, c'est pas trop grave. L'animal, je rassure tout le monde, n'a pas souffert. D'ailleurs, je le nourris de temps en temps. Là, je la nourris de temps en temps, la vieille chouette. Ouais, c'est ça, voilà, là on l'entend bien. Pouh, ça fait pouh. Excellent. Ah, et puis attends, là, tu peux la faire jouir. Attends, écoute-moi. Ouais, c'est dans la boîte, y'a pas de problème. Du coup, Draker, on l'entend même plus. Quoi. Tu passes tellement fort là qu'on l'entend plus, Draker. Ah, voilà, je suis là, l'ami, pas de soucis là. J'ai parlé un peu, mon ami de Lance, en limoges et chocolat à bord du Master Killer. Je le laisse moduler là, de toute façon, j'ai besoin, il faut qu'il appuie sur la pédale des micros, l'ami de Lance, il lâche plus la pédale là. Je reprends la module que quand tu prends la chouette couillée quoi. Alors toi en plus, ce qui est génial, c'est que Nounours, bon là il passe très fort, hein, il passe aussi fort que toi. Hein, là tous les deux, là vous êtes les maîtres du canal 19, incontestés. Hein. C'est incontesté, et vous êtes les deux maîtres vénérés, même je dirais même. Hachi. Et en plus de ça, Nounours, il est aussi en même temps sur le forum La Planète Sibi Francophone. Autant dire que sur le forum, tu vois l'ambiance qu'il met sur le 19, eh bien il met la même ambiance sur le forum également. C'est alors je te laisse imaginer. Ah oui, il est fort, c'est l'éclate sur le forum, c'est l'éclate tout simplement sur le canal 19. Trompez-vous dans les bois, dans le dos. Et 73-51 à toutes les stations de des chocolats, département 59, le nord de France, Nounours, tu aimes le chocolat ou tu aimes pas le chocolat? Draker, j'ai cru comprendre que Nounours, c'était un OM hybride. Voilà, là, méfie-toi, ne t'approche pas trop près de lui, on ne sait jamais ce qui pourrait t'arriver. il me traite de station de voile et à vapeur, hein. Je sais, tu sais, tous les jours, là, c'est quelque chose. Là. Il y a des sacrées parties rigolades, on se divertit vraiment. Bon, pour le coup, le sérieux n'a pas sa place.
Eh, chier, vous avez bien raison. Le sérieux n'a pas sa place sur la CBI. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est content, qu'on est heureux d'être là-dessus. C'est le sérieux n'a pas sa place et faut que ça continue comme ça. Quoi. Ouais, j'ai cru entendre au travers d'Andy, les 73-51 à la station qui m'appelle, là, là, de la part de, où j'en bafouille, de Dandy 33 au QRA ce coup-ci, là sur le sud-ouest de France, pas loin de Saint-Émilion. Ok, merci, va bosser un peu, ça va payer comme ça, ça va pouvoir payer la retraite de ceux là qui arrivent péniblement, hachis trois coups, et peut-être à tout à l'heure, je sais pas, on sait jamais. Ok, les c'était du 9 plus 10 là au dernier passage, et une bonne radio de 5, hein. C'est toi et Nounours, alors là, c'est vous êtes vraiment les piliers là du Canal 19, que ça soit aussi bien en présence qu'en force de modulation. Bien entendu, on a tous compris que vous étiez quand à peine 4 watts. Hein. C'est ouais, 4 watts modulés, pas plus. Hein. Ça, on l'a tous très bien compris. Allez, va bosser, hachis trois coups. Pour moi, ça sera ce soir. J'embauche à 19h ce soir. Bon courage pour le brou, là, 100%. Là. Ça arrive fort et clair au nord de France. Oh la vache, plus 20. Je répète, Dandy 33. Salutations, poignée de main sympathique et tape dans le dos amical, bien sûr. Là. Ah, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Merci à toi, à plus tard. Voilà, j'entends que ce modèle derrière, mais bon, voilà. J'ai pas le choix. 1, 2, 1, 2. Ah non, c'est Corbeil-Élu qui marche au bout du lomètre. Toi, tout à l'heure, avec plaisir. Non, ça lui est toi bien, là. Drakkar, reste avec nous. Tu t'en fous du pro. Reste avec nous. T'es beaucoup mieux, là. Ouais, tu l'entends de l'ours aussi, putain la vache, comment il passe fort aussi. Quoi. Ouais, ouais, non, mais en plus, il a un espèce de poste, un striker. Ouais, ya. C'est une bête de course, son poste. C'est sûr que j'aimerais bien en avoir un. Mais au prix du poste, vaut mieux gagner au loto pour pouvoir se l'acheter. Hein. Parce que là, il a encore bien augmenté, là, depuis qu'il a acheté le sien. Hein. C'est, ouais. Là, il est. Dommage qu'il soit aussi cher, là, son striker. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Ça casse les goûts, mais sans ces constats.
je quitte les stations à l'écoute éventuellement. La bonne après-midi, à bientôt. Ouais, puis en plus, ce poste, ce striker, il a vraiment la gueule, même si c'en est pas un, il a vraiment la gueule d'un poste de CB. C'est, voilà, c'est poste de CB très haut de gamme, hein, c'est sûr. Alors, ce qui est con, c'est qu'il n'est pas homologué CB, mais radio amateur, et c'est après qu'il faut qu'il soit débridé pour la CB. Là, il y a un truc qui n'est pas très logique. Parce qu'avec la gueule qu'il a, ah oui, c'est à 200% un vrai poste de CB. Enfin, quand je dis vrai, c'est entre guillemets, évidemment. Mais une façade de poste comme ça, oui, ça peut être que poste CB. Rien d'autre. C'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir. L'avoir au QRA, l'avoir dans la voiture, l'avoir partout, dans les chiottes, partout. Non, pas au lit, parce que là, c'est des coups à foutre la merde avec les YL. Ah, chi. Mais ouais, c'est un poste que j'aurais bien aimé avoir. Bah écoute, je ne sais rien enlever au matériel de Nano. Enfin, parce que ici, de la somme, tu assommes la fréquence, tu assommes le S-mètre ici au nord de France. Hein. Ça passe canon, là, tu n'as rien enlever au matériel de Nano. Tu utilises la propagation vraiment dans de bonnes conditions, quoi. Enchanté de t'écouter comme ça, Dundee. Malheureusement, je dis bien, malheureusement, j'ai deux types, je suis obligé d'aller bosser un peu, quoi. 73, renouvelé pour toi, Dundee, en espérant que tu m'entendes encore. À bientôt en fréquence, avec plaisir et bon amusement, là. Alors c'est du radio 5++, Santiago 9+10. Ah bah si je l'ai, je t'entends pas, je t'entendrai jamais. C'est la propa qui est en plein entre nous deux, et je n'ai pas entendu la moindre autre station durant tout le temps que tu as tenu le micro. Il n'y a eu que toi seul. Au point que même Nounours, qui est aussi une station importante du 19, je ne l'ai même pas entendu pour le coup. Allez, va travailler un peu, Hachi. Ah, j'entends les stations qui n'ont pas compris que le 19 c'était en AM. Il y en a qui ont basculé en FM. C'est pas grave. Je basculerai pas en FM, je reste en AM. Hachi, on est sur le canal de la route, donc c'est forcément en AM. Ok, à bientôt, Dakar. Oui, la station qui a lancé le break, 73-51 de Dundee 33, sur le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Ah zut, c'est parce que... Picardie. Oui, la Picardie, les 73-51, alors c'est une petite radio de 3 de mon côté, Santiago 3-4. Voilà, les 73-51 de la part de Dundee 33, sur le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion, au QRA. Ah, je signale qu'à monter, ça doit être un petit coup de QRM, je pense. La fréquence n'est pas très propre de mon côté. Donc là, sur le retour, là, pour le coup, là, j'ai pas pu t'entendre. Mais bon, le premier coup, j'ai entendu la station de la Picardie. Donc c'est validé de mon côté. Hachi. Ah, la station qui vient de lancer appel est 73-51 de Dundee 33 au QRA du côté de Saint-Émilion. Bon, ok, c'est retombé là de mon côté. Nounours, est-ce que tu es toujours parmi nous? Non, mais il y a eu Nounours tout à l'heure, les 73-51, la station de Dundee 33. Non, mais tout à l'heure, avant Dracar, il y a eu aussi Nounours, hein, là, qui est passé aussi fort que Dracar, d'ailleurs. Et bon, la propague, visiblement, a tourné.
Elle était tout à l'heure en plein sur le nord de France, le sud-ouest nord de France, là ça passait plein pot tout à l'heure. Au point que ce soit que Nounours comme Drakkar, tous les deux m'arrivaient à 9 plus 10, hein, alors qu'ils sont en 1000 pattes. Ok, le nord de France, au niveau radio, j'ai un petit peu de mal. Le signal de 6, hein, c'est bien passé. Bon, il y a la propague qui est là, hein, qui en même temps m'a ramené un petit peu de QRM là sur ton passage, qui fait que j'ai pas bien entendu. J'ai entendu le nord de France, mais c'est tout ce qui est passé de mon côté. Les 73-51 de la part de Dindy 33, 14 km, 33-01, Rémi, voilà, sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Oui, j'ai eu à moitié QSL. Là, je vois le signal qui monte, qui descend. La propague est en train de jouer au yo-yo. Ça monte, ça descend. Les 73-51 retournés, voilà, de la part de Dindy 33, à côté de Saint-Émilion. Bon, je vais relâcher le micro, voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, je vais aller me promener un petit peu sur les fréquences. Oh, visiblement, nord-sud-ouest, ça a du mal à passer là aujourd'hui. Hein. Enfin là, maintenant. Comme quoi, ouais, la propague a tourné. Bon, allez, je vais me balader en fréquence pour les stations qui m'entendent. Les 73-51 à tous et toutes, de la part de ce qu'il y a des YL aussi. Voilà, de la part de Dindy 33, 14 km, 33-01. Voilà, Rémi sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion, sur le sud-ouest de France. J'allais me balader un petit peu là sur les ondes, voir un petit peu. Aller un petit peu à la pêche, voir un petit peu ce qui passe comme QTH, à une autre fois, ou à tout à l'heure, ou à dans 30 secondes, je sais pas. La radio, c'est ça la radio, on se balade où on veut. Hachi, à tout à l'heure. Ok, 14 km, 59-21, 73-51 de 14 km, 33-01, Rémi, Dindy 33, je pars en balade, c'est dans la boîte. Ouais, il y en a qui sont en FM, bon, c'est pas grave. Il y en a comme ça qui se mettent sur le canal de la route en FM. Jouez plutôt le jeu de ne pas descendre à votre tour. Car pour le coup, ben, vous favorisez les perturbations sur le 19. Si vous voulez passer en FM, comme eux là, et ben voilà, un QSY. Et puis voilà, le tour est joué. Oui, je viens juste d'arriver, les 73-51, de la part de 14 km, 33-01 Rémi, sur le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Oui, bonjour Rémi, 73, bien heureux de t'entendre, encore une fois aujourd'hui. Apparemment, avec une propagation aujourd'hui du sud-ouest de France, je suis épimé dans ta direction, donc je pense que ça devrait être bien passé. Donc 73 à toi, 14 km, 62-27, l'opérateur Miguel de Boulogne-sur-Mer. Tu es seul, Rémi? Ok Miguel, les 73-51 retournés, ça passe super fort de mon côté. Putain, j'enlève mes lunettes pour garder à combien tu m'arrives. N'importe quoi. Zut, j'ai eu le temps de dire ma connerie, j'ai zappé le signal. Je crois que ça doit être du 9 plus 10 de mon côté, mais une très bonne radio de 5. Bon, je t'ai un petit peu clarifié vite fait comme ça. Putain, j'ai employé un mot là, à l'instant même, que plus personne ne connaît. Utiliser le clarifieur. Alors là, ça consiste à quoi? Même pas, je le dirai. Je blague en disant ça, car beaucoup de stations disent « recale-toi en fréquence, recale-toi en fréquence ». Mais les mecs, ils ont tous un clarifiant sur leur poste. Hachi 3 coups, retour. 9 plus 10. Je sais pas si tu es à la maison, si tu es en mobile, je pense que tu devrais être à la maison, vu la radio. Et au niveau de la clarification, je suis beaucoup
décalé ou c'est correct? Retour Ah, je me suis à peine. Tu verras, là, je suis en train de faire... Oui, les 73, la station qu'a appelé, là, juste avant, là, qui m'est passé assez fort aussi, de la part de 14 km, 3301, voilà. Non, je suis allé... Je suis sur 20, enfin en RX, 27 325 point 10 ou point 100 comme tu veux. Ouais, j'ai arrondi. Hein. J'ai pas cherché la petite bête. Je t'entends correctement. Paf, je me suis arrêté là. De toute façon, je suis en train de faire une vidéo. Tu verras ça de mon côté. Si tu penses que de la façon dont j'ai clarifié, c'est fidèle à ta voix, bon ben ok. T'auras le chouïa, les miettes de décalage. Franchement, ça vaut pas le coup de rectifier, quoi. Si je suis pas trop fidèle à ta voix, bon ben c'est moi qui est un petit peu à côté de la plaque, à côté de ta voix, par rapport à ta voix. Et oui, quand on connaît pas l'OM de visu, on fait une approximation et puis c'est tout. Et peut-être que c'est moi qui ai un léger aussi décalage. C'est alors là aussi, là j'ai dit un truc que beaucoup ne connaissent pas. Et oui, son propre poste peut être aussi un petit peu décalé. Hachi, je déconne aussi là-dessus, car beaucoup disent non, ça peut pas être mon poste. Ah ben oui, bah bien sûr, tiens, personne ne dira le contraire. Hachi, trois coups, retour. Oui, bah, la dernière fois que je t'ai contacté, Rémi, j'étais avec le président Lincoln de plus et un micro préhensé avec la police. Là, je suis avec le 7-9, avec le micro Echo Master Pro. Donc, j'ai pas la même modulation que la dernière fois quand j'ai entendu. Donc, j'aurais l'occasion d'entendre la voix que j'ai sur le deuxième poste que j'ai à côté. Et puis, bah, à peu près 80 watts en modulation que je tombe. Je vais laisser rentrer le break, il y a un break qui s'est manifesté en avant. Donc pour rappel, on est sur la fréquence moniteur de Kilomac. Ah, je l'entends pas. Ouais, j'ai du mal à entendre la station, j'entends vraiment derrière, c'est un peu écrasé, il y a une autre station avec, donc j'ai du mal à t'entendre. Voilà, donc pour ça ne va pas être possible. Voilà, rentre Rémi. Ouais, bah j'ai entendu une station qui est en FM, mais le break que tu as signalé, que tu as fait rentrer, non, il n'est pas du tout passé de mon côté. Il y a une autre station aussi, là, tout à l'heure, qui m'a envoyé les 73. Je n'ai pas entendu, je vais lui laisser le micro pour voir. La station qui m'a envoyé les 73, je pense que ça devait être 14 km quelque chose, je sais pas, vu la fréquence où on est. En avant. Joël, je t'avais entendu déjà sur le 19 tout à l'heure, là, depuis la ville de Lille, là, qui est celle. Ok, Joël, les 73-51, oui, comme quoi, tu vois, hein, quand la propague est là, il n'y a pas de mode pour le local ou quoi que ce soit, c'est tous les modes pour le DX, là, pour le coup. Ça passe super fort, là, de mon côté, là, depuis Lille. Ok, c'est pas de report 59, là. Ouais, pareil. Département là, ok. Ouais, bah ouais, pareil, hein, c'est du 59 aussi là de mon côté. Voilà, donc pour ma part, je suis sur le département de la Gironde. Là, je suis au QRA là, la minute même. Ça change du mobile. Pourtant, je préfère être en mobile. C'est en mobile, c'est plus joueur. Voilà, c'est au QRA, c'est presque trop facile. Je déconne en disant ça en même temps. Je crois même pas à ma connerie. En mobile, par contre, et ça c'est très vrai, c'est plus joueur quand même au niveau de la CB. Et là, de mon côté, là, les conditions de trafic au QRA, bon, c'est le petit Yazu FT450AT. Voilà, et au niveau antenne, et ben, là, c'est la Sigma Mantova 8 qui est juste à 9 mètres de haut. Mais bon, heureusement que la propague est là, car je suis dans un trou en même temps. Donc ça passe vraiment bien. Là, c'est vraiment du bon 59. La station Kilomike, ça y est que j'ai zappé. Zut. Que j'ai attrapé de suite en arrivant sur la fréquence. Lui, je crois, ça doit être du 9 plus 10. Ouais, ça passe très fort aussi. Retour à toi, Joël. Ok, bah, l'indicatif c'est 59-21. Avec une petite antenne qui a plus de 40 ans, là, c'est une Sirtel 5-8e, même pas à 3 mètres, ah oui, le micro. 3 mètres de hauteur, à
tout simplement, j'habite à côté d'un parc d'attractions, donc tu dois comprendre. Ah oui, donc tu t'es branché directement sur la ferraille du parc d'attractions qui est à côté pour te faire une maxi-antenne, un chi-trois coups. C'est comme ceux qui se mettent à côté d'une ligne à haute tension, qui se branchent directement sur la ligne à haute tension, et là pour le coup ça leur fait la directive la plus grande au monde. Non, là je déconne, ne faites surtout pas ça. Quoi. Je dis ça pour ceux qui seraient en écoute derrière, qui auraient envie de tenter, ça c'est la connerie à pas faire. Il y en a une fois qu'il m'avait balancé cette connerie et le mec il croyait que j'allais être dupe. C'est vrai, j'ai oublié le micro là de mon côté. Alors le micro que j'ai, c'est un vieux micro qui date des années 80. Alors c'est un PAN ECM 2018. Alors ECM 2018, il est pas mal connu sous d'autres marques comme CRT et tout ça. C'est un micro qui est pas mal répandu. Il est pas très joli, hein. Il ressemble à une boîte noire et puis c'est tout. Hein. Mais c'est vrai qu'il marche très bien comme micro. Ouais, bah écoute, je connais très très bien ce micro, Rémi, là. Hein. Je connais très bien, j'en possède moi-même une bonne vingtaine de micros différents, parce que vu la situation où je me situe, je fais comme toi, je trafique énormément en mobile, voire mobile arrêté, là. Hein. Donc je trafique énormément, là. Comment te dire, je change de coin dans le département, voire le département voisin, le 62, là, et j'essaie de trouver des coins qui m'apportent un petit peu, si tu préfères, là, hein. Et puis voilà, je fais beaucoup de contacts de ce côté-là, QSL, Rémi. Ouais, 100% QSL, ça passe toujours aussi bien là de mon côté, là c'est génial. Je mettrai une petite note là sur le forum disant que là le canal la fréquence kilomac, la fréquence monitor kilomac est actuellement là très très active. Elle est très active là tous les jours, hein, même en ce moment. Hein. C'est avec la propague là qui est sur les départements français et limitrophes Europe. Enfin, même un petit peu plus. Tous les jours, la fréquence est occupée, et ça, c'est vraiment bon, ça. Ouais, ça fait même un plus haut, hein. J'ai contacté Kilomac 0.11.05, là, hein. Une fréquence bien plus haute, là. J'ai contacté l'OM aussi, là. Tu sais, je fais beaucoup d'écoutes, hein, énormément d'écoutes, et puis voilà, hein, je trafique avec deux appareils, hein. J'ai un SRT 2000F qui est sur une verticale, et j'ai le tracker qui est sur le filaire, hein, mais le filaire Delta Loop, là, ok. Toi aussi tu as un striker. Ah, je suis jaloux. Tout le monde a un striker là en fréquence aujourd'hui. Parce que j'ai eu une ours là tout à l'heure, lui c'est pareil. Bon, je sais via ses vidéos de ça et puis sur le forum qu'il a aussi un striker. Pas mal de monde l'ont ce striker. C'est vraiment une belle bête, hein. Puis il percute, hein. Il marche du feu de Dieu. Hein. Ouais, l'avantage c'est que il n'y a pas les dépôts de certains appareils. Il ne chauffe pas du tout, Rémi. Ouais, bah vas-y, enfonce le clou, quoi. Au prix du poste, là, t'es en train de me poignarder, là. Je déconne. Non, mais c'est vrai qu'il a tous les avantages. Avantages de fonctionnement, avantages esthétiques. Son seul et unique inconvénient que j'y trouve, c'est le prix. C'est même là-bas aux USA, il est quand même assez cher quand même. Hein. C'est vrai que ouf. Mais bon, j'aurais presque envie de dire qu'il vaut son prix, mais non, ça serait pas sympa. Ça reste un poste mobile et des prix comme ça aussi énormes qu'on peut comparer avec des gros postes fixes. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est le seul unique reproche que je lui fais, c'est son QSJ, quoi. Ouais, je suis un petit peu d'accord, pas exactement, parce que je vais te dire ma manière de penser, moi. Moi, je pense que maintenant, je suis en roue libre, là. Donc, énormément de déplacements, donc il faut un appareil de radio
que je puis compter dessus, là. Et bon, des fois, la pension, ça se paye, très bien, hein, ça se paye, hein, ça. Si c'est pour avoir un appareil qui lâche, parce que j'en ai déjà essayé beaucoup, hein. Là, à côté de moi, il y en a 5. Il y en a 5 à côté de moi, là. Et écoute, celui-là, il est un poil au-dessus. Puis, toi, plutôt que d'acheter tout l'ensemble, là, j'aurais directement acheté celui-là. Toi, ça aurait été sympa, un peu plus cher que l'autre, hein. Ouais, affirmatif, je pense que tu as relâché le micro, à moins que c'est la popa qui soit retombée. Oui, oui, non, mais je comprends bien ton point de vue. Et bon, de mon côté, j'ai pas de souci de matériel non plus, hein. J'ai un Lincoln 2 Plus qui est dans la voiture, qui fonctionne très très bien. C'est aussi un poste de qualité, mais il n'a pas l'esthétique du Striker. C'est... Maintenant, bon, c'est vrai que c'est une question de goût après, hein, tout ça. Hein. C'est juste une question de goût. Mais autrement, c'est vrai que ce Striker, pour moi aussi, là, tu prêches à convaincu. Pour moi, il a tous les avantages, ce poste. Et en premier lieu, l'esthétique, justement. C'est voilà quoi, c'est ça quoi. En fait, on n'est pas tout seul sur la fréquence là, on est en train de monopoliser. C'est sympa de faire un QSO, mais la Propaguela et les autres stations qui sont derrière en kilomètres aimeraient bien aussi en profiter, j'imagine, et qu'on n'entend pas forcément. Bon, je vais laisser un blanc pour que les EM puissent lancer également appel. Voilà, merci pour ce petit contact, j'aimerais laisser la place aussi aux autres stations. Les 73 à toi, content de t'avoir eu en fréquence. Les autres stations, allez-y. Ah oui, c'est encore Miguel, tu m'entends encore? Ah, du 59 Miguel, sans problème. Ouais, ok Rémi, je vais devoir te verser, là j'entends pas Joël, de toute façon tu les prends les 73 de là-bas. Le micro est comme un 3 centaines de watts avec l'antenne Delta Loop, deux éléments.